Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes un jeudi matin et en règle générale, moi le jeudi matin j'ai rendez-vous chez un spécialiste pour moi. La semaine dernière j'y suis pas allée parce que j'étais vraiment pas bien, j'arrivais pas à bouger. Clairement j'avais des brûlures partout dans le corps et c'était impossible, enfin quasiment impossible pour moi de sortir du lit. C'était vraiment une semaine vraiment très très dure. Je suis toujours en prise avec l'école, donc là mon fils y est parti, sachant qu'il n'a toujours pas d'AVSI. Et je m'attends encore à avoir un appel du directeur de là-bas, hein, me demandant de venir chercher mon fils parce que, eh bien, parce que mon fils bah, sera tout seul dans un coin et eux ne peuvent pas mobiliser trois professeurs pour lui, hein, ou voire même. Donc du coup, voilà, ça va être encore un peu la guéguerre. Aujourd'hui, je vais faire. Alors enfin, il faut absolument que j'y arrive. Je vais faire des conserves, des bocaux de rôti de porc. J'avais une petite promo. Et du coup, je voudrais pouvoir en conserver au cas où, si j'ai plus d'électricité ou quelque chose comme ça, on pourra toujours manger du rôti de porc froid. Donc aujourd'hui, ça va être ça. Rendez-vous ce matin et bocaux. Bon, là, il est 11 h. Là seulement que je rentre de mon rendez-vous. Alors, je sais pas si j'ai mal fermé la porte hier, mais normalement ça devait être fermé. Et bien là, les poules, elles sont sorties. Donc je vais les lâcher et puis après je vais m'attaquer à l'atelier des bocaux. Donc voilà pour les petites infos du jour. On se reprend peut-être tout à l'heure. Thank you.
Donc voilà, les conserves sont prêtes. Rôti de porc en sauce. Vous voyez, donc là, en tout, il y en a 6. Il y en a certains où j'ai mis du riz. Voilà. Et ça, je vais aller les ranger dans une caisse à l'abri de la lumière. J'ai passé un coup de vinaigre blanc sur tous les extérieurs une fois que c'était cuit, hein, pour éviter le calcaire et puis nettoyer un peu. Et ça va me faire partie en fait d'un petit stock. Oh, quand je dis stock, c'est un bien grand mot, hein. Mais 6 bocaux de rôti, là, ça va pas aller loin. Mais ça va pouvoir me faire quand même plusieurs jours de nourriture et c'est pas plus mal. Et ça, on peut le manger froid, hein, avec une mayonnaise. Donc c'est très bien. Et bien sur ce, moi je vous dis une bonne journée. Merci du soutien. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Moi, ça me fera toujours très plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et de petites astuces, hein, soit dit en passant. Allez, au revoir.